Les perles de la Seinette. Feuille hebdomadaire d'annonces et de renseignements, en lecture dans une maison sur deux aux Écossines et dans plusieurs centaines de foyers des environs, telle se définissait la Seinette dans les années 30. En feuilletant la Seinette, on épingle quelques publicités et annonces intéressantes. Comme celle-ci faisant référence à une distillerie à Écossines Nord. C'est qu'on avait le gosier en pente en ces temps-là, et quelques distilleries étaient implantées sur le territoire écossinois. Ainsi, il y avait à l'époque une usine à Marche des Écossines, distillerie et sucrerie réunies, dont le siège social était situé à Hal. Les plaisirs de la bouche étaient tout aussi prisés, et l'on constate que les soi-disant nouvelles tendances de manger chez l'habitant ne sont, après tout, pas si inédites que ça. Une table d'hôte aux abords de l'église Saint-Rémy proposait en effet un menu à 2,50 francs qui avait l'air bien alléchant et bien consistant. Au pilori, Alfred Stassin proposait des produits frais, dont du poisson qu'on livrait bien évidemment le vendredi pour les bonnes familles catholiques. Et puis, parmi les petites annonces, je ne peux m'empêcher de cueillir cette petite annonce à double sens. On demande jeune fille ayant déjà servi.